Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le fameux concours. On a passé les 900 abonnés il n'y a pas très très longtemps. Et ça fait depuis très longtemps que voilà, j'accumule les lots en fait. Et là j'attendais de trouver un livre. Mais voilà, je le trouve pas, donc voilà, tant pis. Parce que là, les lots sont en train de prendre la poussière et ça m'énerve, donc voilà. Donc il va y avoir différents lots, il y a du lot make-up et il y a du lot lecture, voilà. Concours ouvert uniquement à la France parce que là c'est tous mes petits sous, voilà. Et ça coûte une blinde d'envoyer à l'étranger et surtout en ce moment bah, je roule pas sur l'or, voilà. Donc on va, voilà, je limite à la France. Si par contre vous êtes d'un pays étranger et que vous avez de la famille en France ou vous pouvez faire parvenir votre colis, si vous connaissez quelqu'un en France qui peut vous prendre votre colis et vous l'envoyer, là il n'y a pas de souci, vous pouvez participer aussi. Et voilà. Mais voilà, de mon propre chef, je peux pas. Voilà. La dernière fois, j'ai dû envoyer jusqu'au Canada, je crois. Ça m'avait coûté une blinde. Donc là, clairement, là, je peux pas. Donc, je limite à la France uniquement parce que ça coûte trop cher les frais d'envoi. Franchement, c'est abusé. Donc, on commence tout de suite. Vous aurez un lien Google Doc à remplir pour la participation, pour pas que je sois embêtée avec YouTube, hein, parce qu'ils aiment pas trop les commentaires. Je participe, tout ça. Donc, on va faire par formulaire, un petit formulaire à remplir pour essayer de gagner. Vous pouvez participer pour tous les lots. Il n'y a pas de souci, juste si vous gagnez plusieurs, enfin, si vous êtes tiré au sort pour plusieurs lots, je retirerai au sort pour que vous soyez le seul gagnant en ligne pour, enfin, je trouve ça normal. Donc tout d'abord un premier lot avec deux petites palettes de make-up style rétro. Je regrette de ne pas me les avoir pris pour moi celles-ci parce que je les trouve trop choupettes. Et enfin voilà. Je regrette de ne pas me les avoir pris pour moi. Donc vous en avez une nude, le petit avec les petits looks de dispo. Mais voilà, je regrette de ne pas me les avoir pris pour moi quand elles étaient dispo. Parce que je les trouve trop mignonnes. Et puis on va prendre pour le week-end, mais c'est quand même pas mal. Et vous avez celle-ci en version plus smoky. Voilà. Elles sont vraiment trop mignonnes. Oh, je vois qu'elle est un peu assez à. Je les ai pas trop bougés. Mais avec les déménagements de bibliothèque, ça se trouve, elle a peut-être morflé un petit peu. Pourtant, ouais, c'est scellé, donc il y a un petit fard un petit peu abîmé. Je m'excuse. Mais voilà, c'est scellé, je peux même pas. Elles sont assez scotchées, je les ai pas touchées du tout. Est-ce que c'est bébé qui a été mettre ses mains dedans? Enfin, qui a pris la boîte et. Enfin, je sais pas trop. Mais voilà, je suis désolée. Mais voilà, c'est deux petites palettes à remporter. Pour le premier lot. En second lot, encore du make-up, hein, encore une palette. Je sais pas comment vous la montrer. Voilà. Elles sont bonnes. Voilà. Pratique aussi pour voyager. Dans celle-ci, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Voilà, c'est pour les. Si vous débutez dans le make-up, là vous avez toutes les. Là, vous avez tous les fards à paupières. Là vous avez les blushs, les rouges à lèvres. Un miroir. Si vous débutez dans le make-up, franchement, ça va très très bien pour les débutantes. Moi qui ça me suffit. Clairement, c'est pas de la pigmentation de fifou. Enfin, j'ai pas testé, hein, je pense pas. Mais non, ça sent bon. Je pense que c'est les rouges à lèvres qui sentent. Donc voilà pour le deuxième lot. Plus on monte et enfin plus on avance et plus on monte dans la qualité de produit en fait. Alors ensuite, troisième lot, encore du make-up. Là c'est une palette de chez Nocibé. Là vous avez super retour écran, vous voyez mon doudou sur mon lit, tout va bien. Donc là vous avez un grand miroir et vous avez tout. Je sais pas comment je vais faire pour vous la montrer celle-ci par contre.
Vous avez toutes tous les fards ici, fards à paupières, et c'est une palette qui s'ouvre. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. On va essayer, donc elle s'ouvre. Comme dans la précédente, vous avez tout ce qui est blush, rouge à lèvres, tout ça. Et celle-ci, vous pouvez l'utiliser, vous avez même le mascara, deux crayons à lèvres et un eyeliner. Donc voilà, petite palette comme ceci, que vous pouvez utiliser voilà, à plat ou elle a des pieds. Donc voilà pour le troisième lot. Niveau make-up, ça c'était les lots make-up. Là on va passer au lot bouquin. Donc quatrième lot, c'est Hopeless de Colleen Hoover dans la version édition France Loisirs. Je la trouve juste magnifique. Moi je l'ai, là je me suis procuré le tome 2 qui est sorti il y a très très peu de temps. Et voilà, il est trop beau, je l'adore. Il est juste magnifique. Donc voilà pour le quatrième lot. Et le cinquième lot, j'aurais voulu... Voilà, c'est là qu'il me manque un tome, ça m'ennuie. Je voulais vous faire gagner donc la trilogie complète de Tatiana, de Paulina Simmons. Je sais pas pourquoi je dis Paulina. C'est Paulina, enfin je sais pas peut-être. Mais voilà, il manque le troisième tome, j'arrive pas à le trouver dans mon Emmaüs. Ça m'ennuie. Mais pourtant, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Mais voilà, je le prenais pas parce que moi je l'ai complète. Et c'est après je me suis dit bon moi je vois qu'il y a le 1, je prends le 1, après je vois le 2, je prends le 2, je me dis c'est pour le concours, ça va être sympathique. Mais donc voilà, je l'ai pas trouvé, tant pis. Ça sera pour la prochaine fois si vraiment je le trouve. Donc le tome 1, le tome 2, donc là c'est les hardback, hein, c'est les éditions France Loisirs. Et enfin le 1 est déjà bien comme as, mais je l'ai pas mis trop longtemps à le dire celui-ci. Voilà. Le premier est rouge. Moi dans ma bibliothèque j'en vais les jaquettes hein, personnellement. Et le tome 2, j'adore la couleur du tome 2. Comme ceci. Ils sont juste trop beaux. Et ceux-ci je les ai lus et je les ai vraiment aimés, donc il va falloir que j'attaque le tome 3 qui est encore plus gros que le premier je crois. Mais bon, voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup, donc voilà pourquoi je voulais vous les faire gagner pour ce concours. Donc voilà pour le dernier lot, donc j'espère que ces lots vous font plaisir, j'espère que voilà ça vous plaît, comme je vous ai dit c'est avec mes petits sous, donc il faut que j'arrête avec mes dons. Pour vous remercier pour votre fidélité. La chaîne n'est pas récente, mais je suis pas très régulière. Quoique maintenant j'arrive à poster 2 vidéos par semaine. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voudriez que je change les heures de publication, les jours de publication, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous souhaite bonne chance à vous. Et ça sera pas le dernier concours. Hein. Voilà, dès que je trouve des petits trucs, je mets de côté. Et celles qui ont gagné les concours précédents de la chaîne savent que voilà, je rajoute toujours des petits trucs dans le colis parce que j'ai vraiment du mal à en envoyer juste le cadeau en fait. Je rajoute des goodies, je fais comme ça, il n'y a rien à faire. J'adore faire plaisir, donc... soyez pas étonnés si vous gagnez de recevoir autre chose que votre lot quoi. Donc je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne chance pour ce concours et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'autres concours. Ciao.